L'herbe de la pampa est une plante originaire d'Amérique du Sud et le baccharis d'Amérique du Nord. Donc, l'herbe de la pampa a été introduite en France dans les années 70, alors que le baccharis a été introduit au XVIIe siècle. Elles ont colonisé progressivement le littoral atlantique et en fait, par leurs graines, elles s'essaiment sur un rayon de 25 km. Donc c'est la troisième année qu'une campagne est menée. Donc en 2020, il y a eu une intervention sur le marais du Gué. En 2021, il y a eu une campagne d'arrachage sur les marais de la Gâchère sur 5 hectares. Et aujourd'hui, il y a une intervention sur la dune du Paracou sur une quinzaine d'hectares. Les espèces invasives nuisent à la biodiversité locale, peuvent créer un déclin de la biodiversité par la fermeture des milieux et donc ne sont pas favorables aux espèces locales ainsi que les espèces protégées. Représente aussi une nuisance pour la faune, par exemple pour le pélobate cutripède. Les buissons de baccharis nuisent au déplacement de cet amphibien. Il faut que la lutte soit collective pour qu'elle soit efficiente. Il faut que la population se mobilise sur leurs parcelles privées pour que l'action soit efficace. Là, ici, on s'en est rendu compte il y a une trentaine d'années et on lutte là-dessus depuis 5-6 ans où on fait des campagnes d'arrachage, comme vous allez voir. Hein. Donc, campagne d'arrachage sur 3 jours ici ou sur la zone de la Paracou, sur une quinzaine d'hectares. On va arracher entre 100 et 150 plantes invasives, donc de baccharis essentiellement ici. Les résultats ne sont pas sensibles aujourd'hui, hein, donc c'est plutôt à plus long terme. Hein, donc on évite que ça prolifère de trop. Ces plantes sont venues d'Amérique dans un but d'ornement. C'était des plantes d'ornement, c'est pour ça qu'on les a amenées. Hein, et la plante de la pampa nous envahit, parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui la développent dans leur jardin, parce que c'est une belle plante. Mais ça reste quand même une plante invasive.